Salut YouTube, on fait encore une tier list aujourd'hui. Et oui, c'est Noël, du coup on va faire la tier list des tier list. Voilà, c'est mon cadeau à la communauté. Donc on va, je vais classer les tier list que j'ai fait tout ce mois-ci. Je me rappellerai toute ma vie à je ne m'en rappelle plus. Ou du coup, de la meilleure à celle que j'ai le moins aimée. Du coup, on va les faire dans l'ordre que je les ai faites. Donc du coup, on va commencer avec les fast-food. C'était celle du 1er décembre. Les fast-food, ce fut un plaisir. Ah, les fast-food, c'est plutôt sympathique. Hein. Vraiment, hein, globalement, on s'est quand même retrouvé avec les viewers sur les mêmes idées. Et c'est normal. C'est normal parce que moi, j'ai ce palais très travaillé qui me permet de prendre des décisions plus facilement sur tout ce qui est question de nourriture. Donc du coup, ouais, les fast-food, c'était solide. Hein. C'était solide. Après, en deux, on avait les couleurs. C'était agréable, mais sans plus. Hein. Il y en avait beaucoup. Et c'est pas toujours évident de classer des couleurs. C'était pas mal, mais sans plus. Après, on a les Pokémon première génération. Alors là, pour le coup, il y en avait aussi beaucoup. Mais nostalgie, Pokémon, on est forcément sur une tier list plaisante, je veux te dire. Avec Général, on n'était pas d'accord avec toi sur les couleurs. Ouais, mais en général, les Suisses, ils ont des... Enfin, déjà, ils voient les couleurs différemment, déjà. Et en plus, ils se font souvent avoir parce que chez eux, ils ont une majorité de blanc à cause de la neige, contrairement aux autres où ils ont plutôt des couleurs vives. Vive et intéressante à traiter et à classer, quoi. C'est en gros la même tier list en Suisse, c'est 50 nuances de blanc, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Là, ailleurs, on a la chance d'avoir d'autres couleurs que l'on voit plus souvent que le blanc de la neige, quoi. Que les différents types de neige, quoi. Donc, c'est pas intéressant. Là, les couleurs ont. Les couleurs dans le monde, c'est plus intéressant, quoi, qu'en Suisse, quoi. Et ensuite, on a les viennoiseries. Les viennoiseries, y avait quoi dedans, déjà? Ouais, c'était pas mal, les viennoiseries, oui. Oui, ouais, c'était pas mal. En plus, mais c'était plutôt ok, hein. Les Foxatator, demain soir vacances, putain, le boss. Ben ça sera la tier list de demain soir pour YouTube, hein. Donc tu l'as en avant-première ce soir, c'est beau, hein. C'est beau. Ah non, c'est celle de après-demain, ça. Ouais. C'est vrai. Après, on a les billes. C'était ok, hein, les billes. Hein. Ah ouais, il y en avait des belles et tout. Non, le buste, c'était sympa. J'ai l'impression qu'il va y en avoir beaucoup dans Agréable, mais sans plus. Je spoil, hein, mais à mon avis, cette catégorie-là, elle va être bien, bien remplie. Après, on a les chemises. Ouais, Agréable, elles sont... J'étais pas dans la transcendance, les chemises. Après, il y en avait des pas mal, hein. Oh, ça allait, c'était bien. C'était bien, les chemises, c'était bien, c'est une bonne idée. Les boss de Isaac. C'est vrai qu'on a fait ça aussi. Ouais, c'était cool. C'est cool parce que c'est directement en lien avec... avec la chaîne, du coup, donc c'est ça collait plutôt bien. T'as acheté la chemise blanche avec le col? Pas du tout. C'est celle que j'ai mis en top 1. Mais après, j'ai pas les liens des magasins aussi. Ah oui, c'était la chemise pour pécho, non, c'est pas ça. Ah non, c'était une rouge, je crois, celle pour pécho. Je sais plus. Bah, allez regarder la vidéo sur YouTube, elle est encore présente. Et ensuite, on a les lettres. Ouais, un sujet un peu clivant quand même, hein, les lettres. On m'a un peu attendu à la sortie quand les gens ont vu comment j'ai classé la lettre Q.
Mais ouais. C'était assez clivant du coup, hein. Les fruits. Les fruits, moi j'ai bien aimé classer les fruits pour le coup. En fait, moi j'aime bien manger des fruits, mais j'en achète pas assez. Je suis vraiment un. Enfin ouais, je suis un peu un golemon, comme on dit. Comme on dit dans le milieu. Ensuite, nous avons les jeux de la récré. Les jeux de la récré, c'était pas mal, hein. Le cul, c'est trop bien, c'est la première lettre de ton nom. Ah, de ton nom. Je suis con, parce que j'ai dû le voir quelque part, mais j'ai pas retenu. Et que j'ai pas de mémoire. Hein. Les jeux de la récré, ouais, c'était pas mal, hein, les jeux de la récré. Ça a rappelé de bons souvenirs aussi, hein, un peu le côté nostalgie. C'est cool. Les légumes. Les légumes, c'était clivant, hein. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont unfollow à cause de cette tier list des légumes. Après, voilà, les légumes, c'est pas ma grande passion. Je suis plus team fruits que team légumes, hein. Ça, sans problème. Ensuite, les tâches ménagères. Les tâches ménagères, c'était pas spécialement clivant. Non, c'était pas mal, les tâches ménagères, ouais. Non, pourquoi je valide, hein? C'est quoi ton nom? La curiosité là est un vilain défaut, mon petit général. Hein. Là, je vais me faire taper dessus parce que la curiosité c'est quand même pas mal. Hein, mais bon. À bonne mesure, on dit. À bonne mesure, bonne mère. Ensuite, on a les dessins animés. Les dessins animés c'était cool. Hein. Alors, il y en avait plein. Il y en avait de plein de générations. C'est quand même pas mal. Il y en avait quand même pas mal que je connaissais, hein, pour le coup. Beaucoup de prénoms qui commencent par Q. Oui, mais là, c'est son nom de famille. Donc, du coup, tu peux toujours chercher. Hein. Après, on a les pâtes. Les pâtes, c'était agréable, mais sans plus. Ouais, il en manquait en plus. C'est un peu dommage. Les waifus de Nintendo, ça c'est archi validé. Hein. Les waifus de Nintendo, excellente tier list. Hein. Je pense que ça sera une où je m'en souviendrai longtemps. Mais comment? Enfin, je sais que mon top 1, je m'en souviendrai tout le temps, quoi. C'est. Il y a aucun souci là-dessus, quoi. Après, on a les boissons. Les boissons? C'était bien, les boissons. Ouais. Ouais, non, c'était cool. Oh, moi, enfin, j'allais dire tout ce qui touche à la bouffe, c'était bien. Bon, les pâtes, bof, mais. Les boissons, ouais, solide, hein. Mes avis étaient pas incroyables sur les waifus. Bah, si, quand même, hein. Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre sur les tier lists, c'est que ça reste quand même mes opinions à moi-même. Ouais, en général, on n'a pas grandi de la même façon, tu vois. Moi, j'ai vécu. Dans des immeubles, dans la cité, et il y avait des criminels et tout, tu vois. Toi, tu es dans un environnement serein, donc forcément qu'on n'a pas les mêmes goûts. Et c'est normal. C'est normal, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai eu une vie très, très, très difficile, et toi, ça va, enfin, ça se passe, ça va. Donc, évidemment que les ressentis ne sont pas les mêmes sur plusieurs sujets. Normal, c'est l'objectif des tier list aussi. Et ça permet aussi de faire réagir, tu vois. Eh oui, eh oui. Après, on a les bonbons. Allez, les bonbons, ce fut un plaisir aussi, hein, les bonbons. C'était un bon souvenir de tier list. Les plats. Alors, bizarrement, les plats, c'est un qu'on a fait les plus récemment, mais je m'en souviens plus des masses. Les plats. Enfin, j'ai dû mettre le Welsh tout en haut, ça me paraît évident, mais après. Ah, c'est fou, je m'en souviens plus. Donc ça.
Oh, c'est agréable, mais sans plus, dans tous les cas. Les animaux. Les animaux. Agréable, mais sans plus, ouais. Oh, les légumes, c'est vrai que je suis un peu méchant quand même. Mais c'était clivant quand même, vu que j'ai eu des représailles dessus. Les pulls de Noël, c'était bien. C'était un peu plus récent aussi, donc du coup, je m'en souviens plus. Les chansons de Noël. Les chansons de Noël, alors c'était un peu spécial parce que bon, faut les jongler entre le carafun et la tier list. C'était agréable, mais je pense que ça aurait gagné en. Je pense que j'aurais dû passer plus de temps sur l'organisation ou peut-être voir pour mieux gérer ça en fait. Mais sinon, l'idée était bonne. Là, c'est plus côté réalisation que côté choix de chanson. Les boules de Noël, c'est archi validé. Enfin, il y en avait vraiment des. Plein de Kirby, Sonic, les maisons Harry Potter. Ah non, franchement, elle était cool, la tier list des boules de Noël. J'allais dire la playlist, c'est pas pareil. Pas pareil. Les sapins de Noël, c'était agréable, mais sans plus. Et bon, finalement, on l'avait prise pour. Comment dire? Pour dépanner, finalement. Elle était pas prévue à la base, mais finalement, on l'a faite, quand même. Et les Pères Noël. Les Pères Noël. Ouais, c'était rigolo. C'était rigolo, les Pères Noël. Oui, on a bien rigolé. Il y en avait plein de différences, c'était pas mal. Et la dernière, la tier list des tier list. Bon, ça m'est bien aussi, la tier list des tier list. Hein. Ça permet aussi de faire une rétrospective sur. Dans ce magnifique mois de décembre 2021, quoi. C'est à parier que les waifus de Nintendo va finir en S-tier. Bah, je l'ai fortement sous-entendu, donc il y a des chances, ouais. Franchement, les fruits, j'aime bien aussi. Hein. Les fruits, franchement, c'était. C'est pas mal. Il faudrait que je me force à en acheter plus des fruits. Mais ouais, on va mettre les waifus Nintendo. Oui, voilà, oui, voilà, oui, voilà, c'est dit. C'est une tier list où je m'y attendais pas. Et c'est vrai que ça va être totalement sa place dans les tier list finalement. Donc c'est plutôt stylé quoi. Voilà, général Arachnid qui spoil, bravo. Hein. Bravo! La meilleure c'est la suivante. Ouais. Est-ce qu'il y en aura une suivante, YouTube? Ah ça je ne sais pas. Mais abonnez-vous, parce qu'il y aura peut-être encore une tier list, qui sait? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Allez, des bisous YouTube! À la prochaine. Bonne nouvelle vidéo, normalement il y en aura d'autres, alors tier list ou pas. Des bisous YouTube, ciao ciao ciao!